Et allez, on est parti, direction Tel Aviv. Delta 2 Bravo 7, ready to copy. Dog Delivery, hello, good evening, speed by 1787, with you on the stand, Echo 3-5, request IFR cross to Tel Aviv. Speedbird 1787, clearance and request, standby number 5. Oh putain. Frequency. Just a second. Et donc on est à New York et donc vous voyez qu'à 3h10 du matin, heure de Paris, il y a du monde et on n'est toujours pas parti. On devait partir tout à l'heure et on a eu un... Ok, contact crash. Ramp on 131.85 for push and start. 131.85 ramp. Ok, speedbird 1787 cleared to Tel Aviv International Airport, merit 60 port, short Putnam transition. Data vector submitted, then is filed. Main climb via seat. Departure on 135.9 or squawk 1526. 1526. Okay, we are clear to Tel Aviv International Airport as flight. We are merit 6 departure. After departure, 135.95 and the squawk 1526. And we are ready for push and start. Speedbird 1787. Speedbird 1787, read back correct, push and start. Contact ramp 131.85 for push and start, expect runway 13 right for departure. Roger, 131.85, thank you, sir, bye. Delivery is soon after 1137. Heavy with you at The ground 121.9er. Oops, Tango 121.9, American 796, yes. Ramp Speedbird 1787, good evening. Request push and start. Speedbird 1787, push and start approved facing southwest. Facing south. Oops. Facing southwest, Speedbird 1787. Starting engine. Même là, j'arrive à laguer avec une zone de base. Delta 1048, if you want, you can keep left onto hotel there to hold short of Alpha. Okay, we'll go left on hotel and then Bravo, or Alpha for 1048. Et je vous rappelle que vous aurez le replay. Et donc, voyez, donc cet événement est réservé vraiment professionnel. Ça montre le niveau de difficulté. Qui est un cran encore supplémentaire que celle qui est différente de la France. La France est que dalle, c'est peanuts face à ça. Donc il y a beaucoup qui disent oui, mais t'abuses. Ah, pardon. Oui, activate Charlie, split for Speedbird 1787, sorry. Delta 1040, I got a ground 121.9, good day. 121.9, we'll see ya. Je vais rallumer ma tablette. Delta 2 Bravo 7. It appears that démarrage 2. We have hold on. Oh never mind, our engine started up. We had a delayed engine start. C'est compliqué hein. Donc on est là. Donc on va rouler Mike Alpha. Alpha Québec. Papa. Papa Echo, Papa Foxtrot. Ça sera Papa Foxtrot à mon avis. Kennedy Ramp, American A51 with you, Bravo 22. We have a Romeo now, ready push and start. Vous voyez, c'est pas si simple que ça d'être à New York et savoir aussi contrôler et piloter dans le même temps. C'est réservé vraiment le 3. Push on Tequila Fox, try to prove no stay southwest. Et on me demande... that was blocked, but I'm pretty sure that was push on Tequila facing southwest for American A51. 51A firm, push on the Kilo nose facing southwest. Kilo Foxtrot nose facing southwest. Kilo Foxtrot nose facing southwest from American A51. Putain, mais il avance à chaque fois tout seul le 787. And right on the heavy to run to gate 11. Left golf on the heavy to stand 11, the Shamrock 1 on heavy. Ramp Speedbird 1787, British taxi. Speedbird 1787, taxi to hold.
Taxi to hold short of Alpha, Mike Alpha. Alpha, Mike Alpha, speedboat 1787, thank you. Kennedy, ramp for American 2291, exit point November Bravo. American 2291, contact ground 121.9 and now for taxi today. 121.9, thanks for the help, American 2291. Donc au lieu de critiquer les capacités de pilotage des uns et des autres, pour certains, comme pour celui qui m'avait insulté hier, bah là vous pouvez voir comment c'est. Donc Alpha à droite. Taxi, Hotel Bravo, hold short of Alpha, you said? A-firm. Hotel Bravo, hold short of Alpha for Delta 997. Speedboat 1787, hold short Alpha. Speedboat 1787, contact ground 121.9er. Alors, ground 121.9er, ground 121.9er, bye bye. Je préfère la scène de base que celle détaillée FS machin. Getting ground at 6544 with you, just off of 13 left. Delta 6554, standby. Ground Hilo, good evening, Speedbird 1787, with you at Alpha. Speedbird 1787, continue taxi via November, then Quebec. Okay, November, Quebec, Speedbird 1787. American 2291, give way to the 787 passing left to right on November. Roger, I will give away for Americans 2291. Delta 6544, the tower sending to me. A-firm, I'm crossing 22 left, holding short of Bravo. Quebec Alpha. Crossing 22 left on Foxtrot, that is. JetBlue 2017, holding short of Bravo. JetBlue 2017, continue holding short. Delta 6554. What terminal are you looking for today? Whatever is easiest for you, sir. Okay, Delta 6544, taxi straight in on Foxtrot, hold short of the entrance, contact ramp 131.85, see ya. Ramp 2185, Delta 6544, thank you. JetBlue 2017, continue taxi straight on Alpha, make a right onto Mike, hold short of the entrance, contact ramp 131.85. Hold on, Kia. Alpha, right, Mike. Il y a vachement de monde. WestJet 122, hold short, taxiway November. We exited right when able, like Papa Alpha. Oui. Delta 1048, no, continue. Yep, sorry, you're right. Take a left on November, then a right on to Papa. Alright, November Papa 1048. WestJet 122, confirm you're going to hold short of taxiway November. Hey, sir, we're going to hold short of November, WestJet 122. Donc on est sur Hotel Papa. Sierra Kilo Victor, sorry you called me. Kilo Victor 569. Bravo. Oh, sorry, Maple 569. Alors c'est pas celle-là. Maple 569, sorry about that. Maple 569, runway 13 right, taxi via Bravo, November Quebec. Could you repeat that? I'm sorry. Bravo, November Quebec. Non, Papa Charlie. Sorry, Maple 569, I thought you were a departure. C'est pas celle-là. Maple 569, you can taxi to the ramp via Delta Bravo Alpha, Delta Alpha, hold short of the entrance, contact ramp on 131.85. Je mets mes feux. Delta Bravo Alpha, Bravo Delta, and then contact ground on 131.85 for Maple 569. Maple 569, it's going to be Delta Bravo Alpha, Delta Alpha, and then you contact ramp on 131.85 at the entrance. Oh, gotcha. Delta Alpha for Maple 569. WestJet 122, continue taxi, November Papa. Continue taxi, November Papa, WestJet 122. Ground Speedboat 1787 at Papa Foxtrot. C'est plutôt Papa Echo. CRQ
Whiskey Bird, 1787, hold short Papa Foxtrot, you can contact or monitor tower on 119.1, see you. Wait, Delta Tower, 119.1, bye-bye. Delta 1048. 1048. Delta 1048, sorry about that. You can monitor tower 119.1. 191, and which, you want to say Papa Echo or Papa Foxtrot? Delta 1048, hold short Papa Foxtrot. Papa Foxtrot, over to tower. American 2291, monitor tower 119.1, hold short Papa Foxtrot. To your right, hold short of Bravo, and switch to ground, thanks for your 94. Speedbird 1787, Kenny Tower, yep. Kenny Tower, good. Speedbird 1787, heavy Kenny Tower, good evening, fly heading 155, runway 13, right, clear for takeoff. Okay, we're clear for takeoff, and we just hold a few seconds for set C, so hitting 155. Delta 1048, Kennedy Tower, good evening, runway 13 right, line up and wait, caution, wait, turbulence. All right, line up and wait, 13 right, Delta 1048. Delta 2465, Kennedy Tower, yep. We're with you, Delta 2465. Delta 2465, your number 2, Fauna Company, 747, caution, wake, turbulence, wind, calm, runway 13 left, clear to land. 13 left, clear to land, Delta 2465, heavy, thanks. Delta 5582, heavy. Kennedy Tower, your number 3, you're following a company A350, caution, wake, turbulence, wind, calm, runway 13 left, clear to land. Checked. Delta 2465, not too much further to the left there, please, sir. Keep it tighter. Take off. Giants 8701 Heavy, welcome to Kennedy Hotel, cross 22 right. Hold short of Bravo. Ground 121.9 short of Bravo. Hotel 22 right, Bravo, and short of Bravo over to ground for 8701 Heavy. Positive, ground mass gear up. Delta 2465, confirm you have runway 13 left in sight. We have it in. Departure, speedboat 1787, approaching 17,000. Sorry about that, just waiting for the next controller to accept the handoff. He hasn't taken it yet. Okay, no problem. 56, contact New York Center on 133.47, good day. 133.475, is that correct? Affirmative. 475 up 98. Yeah, center, good evening. Speedboat 1787, visibility by departure. Sorry, aircraft calling New York Center. Say your call sign again. Speedboat 1787. Speedbird 1787, you should be with Boston Center. Okay, copy that. Speedboat 1787, contact books. Boston on 13345, is that correct? Correct. 33. Et Boston, celui qu'on a eu tout à l'heure, 450. 450, ding. Boston, good evening, Speedboat 1787 with you. 1787 Boston Center, hello, climate team flow 400. Climate team 400, speedboat 1787. Putain, qui met du temps. Nous, on se retrouvera, quant à nous, bah, demain, pour la suite de nos aventures. Bonjour à tous, salut tout le monde. Petite vidéo ce matin pour vous dire que ça y est, nous approchons donc de notre destination finale Tel Aviv. Alors bah écoutez, cette nuit ça s'est plutôt bien passé. Donc je suis parti à 3h du matin, on a été contrôlé donc par New York. Je pense que vous verrez un petit peu comment ça se sera passé. Des events internationaux, c'est ça, c'est être concret, être précis, être sûr et être... Allez, rebonjour à tous, salut tout le monde, nous approchons de Tel Aviv. Alors, ouais, juste pénible. Ouais, mais non, là on sera... Alors, voyons voir comment ça se passe. Heureusement que j'ai tout préparé à l'avance. Il y a vraiment du vent en plus. Ça va pas nous aider.
Donc là, c'est une approche visuelle à vue. Continue approach. On est cleared. Oh putain, que ça bouge, mais que ça bouge. Putain, avec le vent, vous êtes obligé de vous battre avec le joystick. Avec les frames par seconde qui s'échappent aussi. Oh là là. Approaching minimums. Minimums approach. Minimums. 200. 100. 100. 50. 40. 30. 50. 40. 30. 20. Ending. Touché. Diesel. Rollout. Oh bah ça va, moins 168. Ah, l'approche était pas terrible, mais heureusement que j'ai eu la jugeote de reprendre manuel. Alors, hop, j'ai juste rallumé ma carte. Donc Zulu, alors Zulu, allez, non, ah oui, c'est les freins qui... Alors, left to Zulu and contact ground 1805, is that correct? Speedbird 1787. C'est mes autobikes, il fallait que je désélectionne. Et bienvenue à Tel Aviv, en Israël. Très content d'avoir effectué ce vol. Il est 13h30, en heure locale à Paris. Et bah Tel Aviv, que ça aura été sportif. Hein. Hop. Je vais m'arrêter là. Et nous avons mis à peine, eh bien, 10h02. Bienvenue à Tel Aviv, avant notre retour en France, à Pau. Tel Aviv Ground, hello, good evening, good afternoon, Speedbird 1787, with you. Speedbird 1787, with Ground, hello, parking Bravo Niner, taxi via Kilo, Mike 2. Alors, Kilo, Mike 2. Alors, Kilo, Mike 2, ok. J'ai la carte. Ok, Kilo, Mike 2, and stand Bravo 2-5, is that correct? Speedbird 1787, Bravo Niner via Kilo, Mike 2. Bravo Niner via Kilo and Mike 2, Speedbird 1787. Correct. Donc c'est là. Lufthansa 4144 westbound, hello, push and start approved, release point 10 facing north. Pushback approved facing north, Lufthansa 144. Donc Kilo, oui, alors Kilo, alors c'est là où il faut pas se rater, parce que Kilo Mach 2, c'est pas indiqué en plus. Mike. De toute façon, Mike 2, alors Kilo 5, Kilo 4, on vient de passer.
Donc Mike 2 à mon avis, Mike 2. Moi je vais prendre la prochaine à droite. Hein. Bravo Niner, je vais prendre Bravo 2 Niner, je vais prendre la prochaine droite. Cabin crew, please prepare open doors and welcome to Tel Aviv. Feedback 1787, you 1787 AFM, make a 180 with mic 1 to parking Bravo Niner. Okay, Bravo Niner, sorry for that, and we call you on blocks, Bieber 1787. Alors bravo Niner, alors bravo, alors c'est plus au sud. Donc Mike One, il faut vraiment avoir les cartes avec soi. Alors je suis désolé d'avoir raté Mike One, mais en même temps avec une scène par défaut, vous pouvez pas savoir. Alors en fait, ce qui va se passer, donc comme j'ai eu un premier plantage, vous n'aurez pas le flight log en entier, vous aurez juste le flight log de l'approche, plus du landing rate qui seront à votre disposition. La vidéo de cet event sera très très court, mais voilà, ça vous permettra de comprendre à New York comment ça s'est passé. Honnêtement, voilà, j'ai même pas filmé cette nuit la partie d'éclairance océanique parce qu'il n'y avait rien à voir. Mais vous voyez, il faut avoir de l'énergie, il faut vraiment se reposer et avoir toutes les cartes en main pour ne pas être affaibli, on va dire. Alors, je vais juste regarder. Ouais, je vais prendre la prochaine là. Je vais prendre la prochaine là. Ok. Cabin crew, dernier virage, merci. Je vais approcher comme ça hein, parce qu'il n'y a même pas de marquage au sol. Bon, on y est. Bienvenue à Tel Aviv. 10h07 minutes. Montez les flaps. Transpondeur sur off. L'external power. APU on. Extinction du moteur. Speedbird 1787 at on blocks. Bravo 2-9. Thank you, sir. Thank you, have a good evening. Thank you, bye. Et donc voilà, donc vous avez vu un événement, donc comment ça s'est passé, donc entre Tel Aviv, enfin entre New York et Tel Aviv. Alors oui, c'est extrêmement fatigant. Moi là, cet après-midi, je vais aller me reposer. Donc vous avez vu donc comment ça se passe à Tel Aviv. J'étais très content, ravi de vous présenter cet événement. Donc voilà, on a eu quelques turbulences au-dessus de Boston, pas bien méchant, mais honnêtement, voilà, ça s'est plutôt dans l'ensemble bien passé. Voilà, j'espère que cet événement vous aura plu et auront permis à certains qui critiquent eh bien, de se rendre compte que piloter en national ne vous apprend rien, mais à l'international vous met dans des situations extrêmement périlleuses et ou compliquées. D'accord? Donc voilà, et on a fait moins 168. Donc voilà, et puis bah écoutez, en tout cas j'étais extrêmement ravi de vous présenter cet événement dont tout le monde parlait sur les réseaux sociaux ainsi que sur ma chaîne. J'étais extrêmement ravi. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite un très bon week-end. Salut tout le monde et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut, ciao, bye bye.